Si on m'avait dit un jour, si on m'avait dit ça un jour, hein, à la Cinémathèque. toute ma vie, j'ai entendu, je me suis fait cette réflexion. Si on m'avait dit ça un jour, je sais pas, un jour dans la loge de Georges Brassens, qui me chantait du traîné, une autre fois dans celle de Bob Dylan, qui m'a présenté à Scorsese. Mais alors là, si on m'avait dit un jour à la Cinémathèque, j'ai toujours eu l'impression que je ferais une tâche. Et là, je commence à comprendre que non. Vu votre accueil, c'est quand même extraordinaire. C'est quand même, bon, on appelle ça, il paraît, le couronnement d'une carrière. On m'a dit oui, merci pour votre travail. Et là, ça me fait rigoler parce que j'ai jamais pris ça pour du travail. Ça fait 40 ans que je suis en vacances. 40 ans que je m'amuse avec tous les gens que vous avez vus. 40 ans que je me lève en disant chouette, ce soir, aujourd'hui, je tourne. Si je vais pas me lancer dans une longue litanie de remerciements, un peu comme au César. Merci maman. Hein. Il y a quand même deux, trois personnes que je voudrais citer. Je ne parle pas des gens de la Cinémathèque, ça va de soi. C'est quand même à eux que je le dois d'être ici. Monsieur Toubiana, Monsieur Bonneau, Monsieur Payen. Bon voilà, c'est fait, c'est merveilleux. Il y a deux personnes quand même qui font que je suis là ce soir. Le premier, c'est Danny Kaye, j'avais 18 ans. C'était une énorme star de l'époque des années 50. Au lieu d'aller au lycée, j'étais au cinéma, j'ai fait l'école buissonnière, j'étais au cinéma, je me suis caché derrière, parce que c'est une petite ville, on peut toujours se faire repérer par des gens qui disent ensuite à mes parents, tiens, je l'ai vu au cinéma. Et j'ai vu Danny Kaye pour la première fois, grand blond, qui dansait, qui chantait. J'ai eu une espèce de coup de foudre. J'ai été là, tétanisé, je me dis, j'ai compris, c'est ça que je veux faire. Si j'avais pas vu Danny Kaye, peut-être que je ne serais pas là. J'étais complètement bouleversé, j'ai rien dit le soir parce que j'étais pas censé être au cinéma. Mais donc c'est un peu grâce à Danny Kaye que je suis là. D'ailleurs c'est curieux parce que 30 ans plus tard, le grand blond avec une chaussure noire à New York, et les gens sont sortis, j'étais avec Yves Robert, il y avait Yannou Collard, l'attaché de presse. Une dame est venue vers moi, m'a dit « Monsieur, j'adore le film, j'aime, c'est vraiment merveilleux, et puis vous êtes vraiment bien. » Elle s'en va, elle se retourne, elle me dit « Et puis vous me faites tellement penser à mon père. » Et elle est partie. J'ai dit à Yannou Collard, c'est qui cette dame? Elle m'a dit, c'est la fille de Danny Kaye. 30 ans plus tard. 30 ans plus tard, ça fait 60. Oh. Rassurez-vous, je n'irai pas beaucoup plus loin. Elle m'a appelé Danny Kaye, c'était la fille de Danny Kaye. Elle m'a dit, voilà, j'aimerais tellement que vous soyez à mes côtés pour la rétrospective de Danny Kaye à la Cinémathèque. Et j'étais à ses bras. Et je lui ai dit, madame, si je dis oui, c'est parce que je racontais son père. La deuxième, absolument. Rendre hommage, c'est parce que lui aussi, si je suis là, c'est grâce à lui, c'est Yves Robert. Yves Robert m'avait écrit un petit rôle dans L'Alexandre du Bienheureux. Il m'avait dit, il est petit, mais il est à toi. Je l'ai écrit pour toi. Et puis un jour, entre deux prises, on a marché le long d'une voie ferrée. J'ai combien de temps? On marchait le long d'une voie ferrée, et Yves me dit comme ça, tout de go, de but en blanc, il me dit, Pierre, tu n'as aucune place dans le cinéma français. J'ai scruté l'horizon pour regarder s'il y a un train qui passait, pour me jeter dessus. Et il a rajouté, tu n'as aucune place dans le cinéma français, tu n'es pas un acteur, tu es un personnage, fais ton cinéma toi-même. C'est le plus beau compliment qu'on ait pu me faire, que quelqu'un ait pu me faire. Je suis reparti, j'ai demandé à André Ruellan, qui était un écrivain de science-fiction, un copain, et un docteur. C'est sécurisant de travailler avec un docteur. J'étais tellement fasciné par Keaton, par Chaplin, par Jerry Lewis, par Danny Kaye, je vous l'ai dit, et puis par Jacques Tati aussi. D'ailleurs, j'ai eu un très beau compliment de Jacques Tati. Un jour, je l'ai rencontré, je ne le connaissais pas, c'était dans une soirée. J'étais pétri de tracts de ce grand bonhomme qui était à 3 mètres de moi. Et c'est lui qui est venu et qui m'a dit, monsieur, vous êtes un grand acteur, vous parlez très bien avec vos jambes. Mes jambes ont rougi. Et il est parti. Mais je me souviendrai toujours de cette rencontre que je regrette pas avoir été plus souvent. Voilà, et puis je me suis donc lancé dans le burlesque. C'est vrai, comme l'a dit M. Bonneau, c'est un burlesque poétique, certes, mais j'aimais aussi, avec Ruellan, on était tout à fait d'accord pour faire un burlesque un peu dénonciateur des absurdités du siècle aujourd'hui, notamment dans le district de la publicité. Bon, vous savez bien, on ne peut plus ouvrir son truc sans regarder acheter Renault. Bon. J'étais peut-être un
Non, déjà, il y avait la publicité. Mais je crois que même le problème s'est aggravé. Il faudrait que je fasse le distrait 2. S'il me reste des jambes. En tout cas, c'est une fée chaud au cœur de laquelle vous m'avez fait. J'espère que vous passerez une bonne soirée. Merci. Et Pierre sera samedi. Samedi qui vient, donc après la projection de La Chèvre, il y aura une masterclass. Ça me terrifie, ça. Le mot master. Animé par Bernard Payen, samedi à 14h30. Disons que ce sera lui qui fera une masterclass animée par moi. Soutenue par moi.